les amis, on se retrouve sur la chaîne de José Anigo Fut pour le débriefing de ce troisième match de la Coupe du Monde, notre troisième débriefing, en tout cas quatrième match, Portugal-Espagne, et quel match, quel match les amis, quel match, un gros match, un très gros match qu'on a eu à regarder ce soir. Ce match a rattrapé carrément les matchs de la journée. Tiens José, passe-moi ça là-bas d'ailleurs. Ah, tes notes. Ouais, c'est vrai que pour une fois, j'ai vu les Espagnols donner des coups quand même un peu. C'est la première fois que je les voyais comme ça parce que normalement. Non, mais ça nous a rattrapé Espagne... des purges, c'est ça ouais, que je disais. Si, c'est vrai, oui. Mais d'un côté, les Espagnols, c'est plutôt technique, dribble, passe de qualité et tout. Mais là, pour une fois, ils donnent des coups. Bon, on connaît Ramos et ça donnait des coups. Mais quand même, les joueurs espagnols ont quand même donné des coups. Et puis, il y avait de l'impact, l'intensité. L'intensité de l'engagement. Et un beau match, un match qu'on attendait. Ça, le triplé de Ronaldo me rappelait ce Portugal-Hongrie à l'Euro 2016. Et encore, on n'a pas filmé encore, mais mon collègue là a dit quand Ronaldo a pris le ballon pour tirer, il est déterre, soit il la met 36 000 mètres au-dessus, soit il la met dedans. Et après, quand il a pris son élan, il a dit c'est dedans. Et il s'est pas trompé. Et un super but de Cristiano Ronaldo, désolé. On peut pas vous mettre les buts pour raison de droit d'auteur. Faut dire merci à la FIFA voilà, qui nous a bloqué. On a eu du mal à publier notre vidéo, donc elle était un peu en retard, celle de l'Egypte. Voilà, l'Egypte. Uruguay-Egypte. Donc, on va parler du match et ça démarre très fort pour rattraper cette journée de Coupe du Monde pas fameuse avec un 1-0 pour l'Egypte, pour l'Uruguay face à l'Egypte à 90e. 1-0 pour l'Iran. 1-0 pour l'Iran à 90e contre le Maroc aussi. Donc ça commence très rapidement dans les 5 premières minutes, il me semble 3ème ou 4ème minute de jeu. Ronaldo qui donne le tempo de son gros match. Ouais, penalty. Avec un passement de jambe sur Nacho, il élimine et penalty. Transformé après. Ouais, voilà, penalty, il n'y a rien à dire, il y a faute. Ouais, il y a faute, il n'y a rien à dire. Il y a faute, donc on vous a ramis les compos d'équipe, normalement elles sont en train de s'afficher. Donc voilà, on voit les Portugais mener très rapidement dans ce match avec un bloc assez bas, assez compact, assez serré et qui essaye d'exploser en contre. Oui. Ils essayent d'exploser en contre à plusieurs reprises. Après, c'est l'égalisation espagnole, non ça. Avant ça, d'abord, Guedes rate plusieurs occasions de contre que Ronaldo avait commencé qui avait bien relancé et puis Guedes qui n'était pas là. Donc, ce qui arriva, Diego Costa, premier but dans un gros match avec la sélection espagnole. Et quel but. Ouais, quel but. Il y a eu des beaux buts ce soir, même tous les buts ont été beaux, à part le pénalty. Ah, il me semble que c'est Fonté qui se fait crocheter 4 fois sur ce... Il l'emmenait de partout, là. Moi qui disais les vieux briscards de l'Espagne en a marre à ce moment-là, et bah, il m'a fait taire, Diego Costa, sûrement pour sa dernière Coupe du Monde à plus de 30 ans. On sait pas, donc l'Espagne, après on va avoir une fin de première mi-temps avec l'Espagne. Le Portugal qui va marquer. Non, mais l'Espagne qui aura une possession très stérile tout au long de cette première mi-temps. On n'aura pas vu énormément grand-chose. C'est une frappe sur la barre de Isco. Bon, l'Espagne a eu un peu plus d'occasion quand même que les Portugais. Et vont être menés à la pause, illogiquement. Cristiano Ronaldo, encore une fois, mais surtout David De Gea. David De Gea qui fait une erreur. Alors ça, on me dit que c'est le meilleur gardien du monde, mais il ne faut pas abuser. Pour moi, il a fait une Steve Mandanda. Voilà ce qu'il a fait. Une Steve Mandanda. Alors, c'est pas le meilleur gardien du monde, loin de là. Pour moi, les meilleurs gardiens, c'est Buffon, c'est Neuer quand il est de retour de sa blessure maintenant. Voilà, des gardiens comme ça. Mais lui, je suis désolé, soi-disant meilleur gardien de première ligue et du monde, vu la boulette, il a fait une Steve Mandanda. Voilà, sur ce sujet, c'est ça. Il y avait Rudy Garcia au commentaire qui nous a sorti des belles petites perles ce soir, au commentaire avec Christian Jean-Pierre. Voilà. Donc, on arrive à la mi-temps. Et dès le retour des vestiaires à la deuxième mi-temps, c'est Nacho, c'est ça la frappe. Diego Costa une nouvelle fois. Le doublé. Bon, alors, suite à une erreur encore de Gonçalo Guedes qui commet le coup franc. Et puis après, sur le coup franc, petit centre, remise de la tête et Diego Costa qui suit bien. Ouais, mais c'est un beau but quand même parce que c'est une bonne construction, j'ai trouvé, de balle sur ce coup franc. C'est bien construit. C'est à l'effigie de l'Espagne. Et puis après, l'Espagne croit avoir fait le plus dur avec cette frappe parfaite. Magnifique. Avec un but parfait. Et là, on se dit que le Portugal, c'est trop tard. Parce que le Portugal, dans ce match, a fait une tactique assez bizarre. On a une équipe portugaise qui est normalement plutôt offensive ce soir, avec des joueurs comme Cédric sur les côtés.
comme Cédric et Guerrero, sur les côtés qui sont pas des latéraux faits pour défendre, des joueurs comme Bernardo Silva au milieu de terrain, bon, Ronaldo et Guedes. Et ça a préféré jouer bloc bas resserré et défendre face à une Espagne qui a fait de l'Espagne, quoi, qui a joué au football à l'Espagne. Mais qui a mis quand même des coups. Oui, mais donc qui a joué au football, qui a fait circuler le ballon. Et donc ça, on ne les a pas sentis super gênés de la démission, du limogeage de Julen Lopetegui. Ouais, et c'est à la sortie de David Silva, l'arbitre lui a dit Monsieur David Silva, faites gaffe là, dépêchez-vous parce que je vais rajouter du temps et Ronaldo a remonté les troupes. Voilà, alors juste rajouter quelque chose sur TF1, notre ami Rudy Garcia a dit que Nacho ne savait pas vraiment attaquer, avait pas énormément de qualités offensives. Je pense qu'on en a déjà vu quand même des qualités offensives. Bon, alors peut-être qu'il met pas des frappes comme ça tous les jours, de toute manière même les attaquants mettent pas des frappes tous les jours. Mais avec le Real de Madrid, on l'a plus déjà on a pu déjà voir Nacho la différence offensivement quand même quand il jouait sur les côtés. Et c'est ce que je trouve très bien chez lui, c'est que c'est un défenseur polyvalent, il peut jouer sur les côtés, en défense centrale, bon un peu petit, 1m78, mais on en connaît. D'ailleurs un autre espagnol, César Azpilicueta, qui fait à peu près sa taille. Ouais. Qui est très d'ailleurs je pense qu'il faudrait le mettre à la place de Piqué, parce que venons-en, Piqué qui fait le tournant du match avec cette faute inutile sur Cristiano Ronaldo. Juste après que Ronaldo a re- dos au but, Ronaldo déterminé, et Ronaldo va clore le match avec... Un but fabuleux. Alors quand on me dit que Ronaldo ne sait pas tirer les coups francs, c'est juste de la force. Bon, peut-être qu'il était assez fort, mais il y a quand même là, il a quand même mis un peu d'effet, et puis il y a quand même de la précision sur ce but. Ronaldo ce soir a montré toute la panoplie de son talent. Penalty, coup franc, il s'est provoqué la chance des grands joueurs avec ce qu'a fait la boulette de Réa, il a été à la passe, à la défense, on l'a même vu se replier sur les corners, mettre les têtes. Voilà, un Ronaldo ce soir déterminé, on a parce que il a été très titillé par Mohamed Salah et Messi pendant cette année, et il est déterminé pour la quête de son 6e ballon d'or. Ouais, et en plus aussi, c'est vrai, il y a peu d'attaquants maintenant. On voit à un moment Ramos avec Piqué, il me semble, jouer à la baballe, lui il a été dessus. On voit peu d'attaquants qui le font. Par exemple, en Liga, il y a Mariano qui le fait, mais c'est pas le même niveau. Mais il y en a peu. Je voulais revenir là-dessus. Il y en a peu qui le font. Bon, du coup, on va passer au top et au flop. Voilà. José, je te laisse aller commencer avec les tops. Bah, les tops, oui. Et il y a aussi. Et on voulait. Le match. Voilà, le match. Match typique de Coupe du Monde comparé aux purges qu'on a eues. Ouais, voilà. Cet après-midi. Et puis un match déséquilibré hier de la Russie, même s'il était beau avec l'Arabie Saoudite, c'était un match déséquilibré. Ouais. Là, on a eu un match sur la lancée du football 2017-2018 avec les compétitions, la Ligue des Champions, Ligue Europa. On a eu un très gros match. Des matchs fous. Et alors, dans les très gros matchs, il faut toujours des flops. Voilà, mais c'est une des plus grosses saisons qu'on voit, une des plus belles saisons, j'ai envie de dire, cette année avec des remontadas, des. Voilà. Donc on passe au flop, José. Ouais, les flops avec David De Gea, il a pas fait un grand match. Alors quand on dit que c'est le meilleur gardien du monde, je reviens dessus. C'est pas pour moi le meilleur gardien du monde, il faut qu'ils aiment. Gonzalo Guedes aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, Gonzalo Guedes, il a pas été bien, il a pas bien exploité les contres. Il fait la faute qui emmène le but espagnol sur le coup franc, le deuxième but. Donc Gonzalo Guedes, voilà, dans les flops. Et puis pour terminer, Piqué. Ouais, Piqué. Qui fait une faute inutile comme d'habitude. Je comprends pas ce qu'il a vraiment. Je pense pas qu'il a, pour moi, le niveau du FC Barcelone. C'est pas un grand défenseur, un très très grand, comme on peut le penser. Voilà, ouais, c'est pas un grand défenseur, Gérard Piqué. Qu'il aille voir sa Shakira là et qu'il nous emmerde. Bon. Voilà, donc pour terminer, pour conclure. Il faudrait, comme tu disais tout à l'heure, il faudrait mettre César Azpilicueta à sa place. Ouais, ou pourquoi pas titulariser Nacho Fernandez en défense centrale. Voilà, ouais. Ça peut être une solution aussi. Donc, pour tout conclure, un beau match. Cristiano Ronaldo, homme du match. Ouais. Le Portugal, comme à son habitude, il produit pas un super football, mais s'en sort grâce à sa superstar, Cristiano Ronaldo.
Donc on va essayer de se retrouver, là on va essayer de vous la publier le plus rapidement possible. Et on va essayer de se retrouver demain avec une victoire de l'équipe de France, on l'espère. Et puis n'hésitez pas à aller voir mon blog, le lien est dans la description. Et puis le débriefing, les autres débriefings de la Coupe du Monde. En attendant, la playlist est dans la description. On se dit à demain pour le match France-Australie. Salut, et allez les bleus pour demain, bonne chance aux bleus.